Bonsoir. Vous m'entendez? Je vais aller chercher mon chargeur. Il me faut mon chargeur. Parce que je n'ai presque plus de batterie. Attendez, je vais chercher mon chargeur. Vous allez bien? Je vais chercher mon chargeur. Le chargeur, le chargeur, le chargeur. Alors, mon chargeur. Comment allez-vous? Votre soirée se passe bien? Attendez, mon chargeur. Je vais me mettre ici. Attendez, je m'assois. Je m'assois un peu pour discuter un peu avec vous. Quelques minutes seulement. Hop. Voilà. Là, j'ai mis mon téléphone à charger. Vous allez bien, mes amours? Quoi de neuf? Depuis la dernière fois qu'on s'est vu à Paris, tout va bien? Est-ce que vous allez bien? Moi, j'ai été très fatiguée. En fait, la vente privée m'a vraiment, vraiment, vraiment fatiguée. Je me suis traînée un peu toute la semaine qui vient de passer. Là, j'étais un peu vraiment, ouais, fatiguée, quoi. Bonsoir, Élise. Bonsoir, Marcel. Bonsoir, tout le monde. Vous allez bien, j'espère. En fait, j'avais 10 minutes, je me suis dit, allez, je lance un live rapide pour qu'on puisse échanger rapidement. Vous passez un excellent week-end? Oui, j'étais surmenée, vraiment, c'était chaud sur moi. Bon week-end, Nathalie. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Est-ce que Diamant Bleu va bien? Elle va bien? Donnez-moi des nouvelles là de Diamant Bleu. Est-ce qu'elle va bien? En tout cas, je suis en train de préparer une vente privée à Toulouse. D'accord? Je suis en train de voir ça, une vente privée dans une pharmacie à Toulouse. Voilà. Donc, quand tout ça, ça va être mis en place, je vous en parlerai plus en profondeur. Parce que l'idée, en fait, c'est vraiment d'aller auprès des populations et des patients, justement, pour leur expliquer les bienfaits du glutathion. Voilà. Donc, ma prochaine sortie, ça sera certainement à Toulouse. Il faut que je puisse organiser ça avec la propriétaire de la pharmacie dans laquelle nos produits sont vendus à Toulouse. Donc, je vous tiens au courant de ça bientôt. Voilà. Après, nous allons préparer la sortie de la mésothérapie. La sortie de la mésothérapie. Donc, je ne sais pas si je vais coupler ça avec mon anniversaire. Je ne sais pas encore. Voilà.
mon anniversaire avec la mésothérapie, mais je pense que ça sera vraiment une bonne chose de faire ça avec. De faire ça, de faire mon anniversaire, mes 50 ans avec la sortie de la mésothérapie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être bien, non? En tout cas, il y a plein de choses en cours de téléchargement. Donnez-moi les nouvelles des réseaux sociaux parce que je ne suis pas trop sur Facebook là en ce moment. Bonsoir Karine. Bonsoir tout le monde. Je vous ai expliqué, mes frères et sœurs, qu'il n'y a que le travail qui compte. Il n'y a que le travail qui compte. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris que le travail, c'est le premier mari des femmes et que le travail est no doit être la priorité absolue de chaque personne parce que c'est le travail qui va te permettre d'être indépendante, voilà, de te valoriser au niveau social, etc. Bonsoir tout le monde, mes Gluta Lovers, mes sympathisants. Je sais que tout le monde qui est ma page maintenant est Gluta Lovers. Même les hommes qui sont sur ma page, ce sont des Gluta Lovers parce que tout le monde consomme le glutathion de la marque Glutalantien, d'ailleurs. Ce matin, je faisais un live sur TikTok parce que j'aime bien faire des lives le week-end sur TikTok. Parce que le week-end en général, il y a pas mal de gens qui sont disponibles sur TikTok. Et j'en profite vraiment pour faire comment dirais-je, des lives instructifs, hein, sur TikTok. Je fais souvent des lives instructifs sur TikTok. Et ce matin, figurez-vous que j'ai rigolé ce matin, je n'en croyais pas mes yeux. C'est-à-dire que il y a une dame en Corée du Sud. Elle a commandé notre glutathion. Elle est en Corée du Sud. En Corée du Sud. Je me suis dit, non, là, on a atteint le. Mais notre glutathion peut maintenant arriver en Papouasie, que ça ne va pas m'étonner. Donc, Gluta, elle m'a envoyé la photo pour me dire qu'elle a reçu son duo qu'elle a commandé sur le site internet en Corée du Sud. Et elle voulait justement être représentante de la marque Glutalane en Corée du Sud. Là, je me suis dit, non, là, on a atteint un niveau supérieur, vraiment. Là, c'est incroyable. Ce qui m'a marqué aussi hier, j'ai fait une promotion sur le duo, là. Vous voyez, le glutathion liposomal et la vitamine C à 110 euros au lieu de 139,26 euros. Et j'avais demandé à ce que mes ambassadrices de partout dans le monde puissent justement commander chez mes distributeurs à moins. Non, c'est pas une Coréenne, c'est une Camerounaise. Non, c'est pas une Camerounaise. Si, c'est peut-être une Camerounaise anglophone. Je pense qu'elle doit être Camerounaise anglophone parce qu'elle ne parle pas très bien le français. En tout cas, une Africaine qui vit en Corée du Sud, elle a commandé notre glutathion. J'ai des gens qui sont au Brésil, qui veulent notre glutathion. Les gens qui sont au Guatemala. Je dis, hein, les Africains, là, vous allez même dans des pays comme le Guatemala, vous allez faire quoi là-bas? Frères et sœurs qui sont le Guatemala et qui me téléphonent pour savoir si on peut expédier au Guatemala. Mais je me suis dit, mais le Guatemala, même sur mon site internet, je suis sûre que j'ai l'Amérique du Sud, mais je ne suis pas sûre que le Guatemala fasse partie des pays dans lesquels on peut expédier. Enfin, je lui ai dit que de toute façon, nous, on expédie partout dans le monde parce qu'on peut expédier même par DHL, hein, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est excellent, c'est de se dire que, en fait, nos produits arrivent en Corée du Sud, arrivent au Brésil, partout, et que des gens partout dans le monde en veulent. Ça, c'est top. Ah si, c'est sûr, Christian, le travail, ça ne ment pas. Autre chose qui m'a marqué hier, c'est hier quand j'ai fait la promotion, justement. J'ai demandé à ce que mes représentantes un peu partout dans le monde fassent moins 10% pour que les clientes puissent aller acheter les produits ce week-end. Et j'ai une représentante à Bafoussam.
J'ai une représentante à Bafoussam. Et une dame qui vit peut-être à 40 km de Bafoussam, à l'intérieur des terres là-bas, à l'intérieur, peut-être à 40 km de Bafoussam, a vu mon live d'hier. Elle a téléphoné à l'ambassadrice, à la revendeuse de Bafoussam pour commander ses produits. Et elle m'a envoyé la photo. Elle a commandé deux duos comme ça, deux fois ça, trois collagènes marins et quatre boîtes de gélules de glutathion. Et elle les a ramenées dans son fin fond du village, là-bas où elle habite, à 40 km de Bafoussam. Non, là, j'ai dit, là, on a atteint notre niveau. On a atteint un autre niveau, mes frères et sœurs. C'est-à-dire que si les gens qui vivent à l'intérieur des terres, au fin fond de Bafoussam, là-bas chez nous, à l'ouest du Cameroun, à 40 km de Bafoussam, loin, loin là-bas, cette dame regarde sur les réseaux sociaux. Je la convainc avec mes explications pédagogiques, etc., pour prendre notre glutathion et elle prend la route avec son mari. Elle a pris la route avec son mari pour aller acheter nos compléments alimentaires en masse. Parce qu'elle a pris deux duos, trois boîtes de collagène et quatre bouteilles, boîtes de gélules de glutathion. Elle m'appelle et me dit, Madame, vraiment, j'avais déjà entendu parler de vous, mais quand je vous ai entendu parler hier, vous m'avez convaincue. Je dis qu'elle a pris et son mari avec. Elle a mis dans la voiture pour aller prendre leur stock de 2 mois, 3 mois de traitement. Là, ce sont des signes qui ne trompent pas. Ce sont des signes que nous sommes capables, avec des explications pédagogiques, vraiment convaincre même des gens qui sont sceptiques pour prendre le glutathion tellement il est excellent pour la santé. Et aujourd'hui, sur TikTok justement, je faisais un live de ce type. Il y a une maman qui monte dans le live, elle me dit, Madame Amélie, j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai des diabètes, j'ai ceci, j'ai cela, et machin, tout et tout. Et tout. Je lui dis, Maman, il faut prendre le glutathion. Le glutathion, c'est notre allié santé et beauté pour la vie. Santé et beauté pour la vie. N'attendez pas à avoir des bobos, être malade pour commencer à prendre. Prenez le glutathion à titre préventif. Vous pouvez faire des cures de 3 mois, 4 fois, 2 fois par an. Annick, il n'y a pas de promotion sur le site internet ce week-end. Bonsoir Mireille. Donc, dites à Diamant Bleu que je suis en train de préparer une vente privée à Toulouse. À Toulouse, et dès que j'aurai organisé tout ça, je lui dirai ça. Parce qu'il faut qu'on travaille. Hein. Moi, je ne dors pas. Hein. Je ne suis pas là pour rigoler. On est là pour bosser. C'est le travail d'abord. On travaille, mes chéris. Je vous ai dit que si vous aimez votre diamant bleu, amenez-la vers des choses qui apportent la positive attitude. Ce n'est pas dans la négativité. La force n'est pas dans la négativité. La force est dans la réalisation, dans sa propre réalisation personnelle et professionnelle. C'est sur cela que vous devez porter votre diamant bleu pour l'amener vers ce chemin. Nous avons des représentantes partout dans le monde, y compris à Libreville. J'ai trois vendeurs à Libreville et leurs numéros de téléphone sont sur notre page ici. D'accord? Vous regardez le post que j'ai fait hier et vous allez voir, il y a un tableau avec tous les numéros de téléphone de tous nos représentants. Il y en a trois représentantes au Gabon, à Libreville. D'accord? J'ai dit ici que si quelqu'un s'attaque à mon entreprise et à ma marque, je ne vais pas laisser la personne. Je pense que l'avocate de notre cher et tendre camarade a dû avoir de mes nouvelles.
On l'entend plus, elle est devenue muette. Faut lui dire de ressortir son gougou, non? Gougou est dehors. Gougou doit travailler. Dites à l'avocat de sortir le gougou. Gougou, faut qu'il continue à travailler. Il ne travaille plus. Quand on vous dit aux gens, les gens arrivent sur les réseaux sociaux, il faut faire très attention à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, mes amours. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la rigolade. Vous comprenez? Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui écoutent ce qu'on dit et qui voient tout ce qui se fait. Faites très attention à ce que vous dites, à ce que vous écrivez. Faites très attention à ce que vous dites, à ce que vous écrivez. Parce que ça peut vraiment être préjudiciable à une personne d'une manière gravissime. Vous voyez, non? Quand une personne arrive sur les réseaux sociaux, prend sa caméra, mal parle, dégrade une société comme la mienne, Gluta Cosmétique. Je fais ça. Vous savez, mes amis, mes frères et sœurs, je suis le genre d'enfant qu'on a sacrifié dans la famille. Quand je dis sacrifié, dans le sens où je suis comme l'aînée, pourtant ce n'est pas moi la première, j'ai une grande sœur, mais c'est moi l'aînée. Parce que c'est moi qui m'occupe de ma famille, qui m'ai toujours occupée de ma famille. Donc, je suis le genre d'enfant qui a porté sa famille sur les épaules. Et cette responsabilité, je l'ai eue très tôt. Parce que mes parents voyaient en moi justement cet enfant qui sait se débrouiller, qui arrive à faire des choses, etc. Je me souviens quand j'étais encore jeune, quand j'étais au lycée. Oui, au lycée. Ma mère, qui faisait des marchés publics à l'époque, elle m'envoyait parfois avec une procuration pour aller toucher de l'argent au trésor public. Donc, vous voyez, j'étais le genre d'enfant, justement, qu'on confiait des missions d'importance quand même, parce que ce n'est pas à n'importe quel enfant qu'on confie des documents pour aller toucher l'argent dans un bureau officiel. Mais moi, j'étais ce genre d'enfant. Et donc, j'ai grandi avec ça, en réalité. Avec ce sens de responsabilité. Et vous comprenez que quand on crée une entreprise, peut-être il y a certaines personnes qui rigolent. C'est-à-dire que je ne peux même pas comprendre qu'une personne crée une entreprise, vienne sur les réseaux sociaux pour développer son entreprise et que les gens s'y attaquent sans que la personne ne réagisse. Je ne peux même pas le comprendre. C'est-à-dire qu'une entreprise créée de toute pièce. Coucou Marie-Hortense. De toute pièce. Et des personnes qui viennent sur les réseaux sociaux prendre l'entreprise, qui n'ont jamais créé une entreprise de leur vie, qui ne savent même pas comment faire ou entrer pour créer une entreprise, qui ne savent pas ce que c'est qu'un bilan comptable, qui ne savent pas ce que c'est que déposer un bilan, qui confondent un bilan comptable et déposer le bilan, et qui vont venir parler justement d'une entreprise française qui a pignon sur rue. Dans un contexte de dénigrement. C'est-à-dire que une personne qui ne sait même pas parler français va s'asseoir et parler d'une personne morale qu'on appelle une société, une SARL. Hein? Qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Comment on crée une SARL? Quels sont les statuts d'une SARL? Qui ne connaît rien dedans, mais qui va venir s'asseoir et raconter des faussetés juste pour saboter une entreprise française qui a été créée par moi. Moi, j'ai dit que une entreprise que moi, j'ai créée, qui nourrit, qui paye l'école de mes enfants, qui me nourrit. Je vous ai dit, je suis propriétaire. Là où je suis là aujourd'hui, c'est chez moi. J'ai payé moi seule. Je suis chez moi. Donc, une entreprise qui me nourrit,
qui paye la scolarité de mes enfants, l'hébergement de mes enfants, hein, et qui me permet d'aider ma famille, de faire des choses, etc. Une personne qui n'a jamais, qui n'a même peut-être même jamais travaillé de sa vie, encore moins créé une entreprise, va venir s'asseoir, commencer à dénigrer une entreprise comme la mienne, en disant que c'est une entreprise qui a été fermée, elle n'a jamais existé, etc., etc. Comme quoi, je tourne mes crèmes dans la cuisine. Elle dit, je suis une revendeuse. Ce n'est pas la marque ne m'appartient pas. Je suis une revendeuse, etc. et tout. Vous voyez comment des gens sont de mauvaise moralité, couplés de jalousie. Parce que ce sont des gens qui sont incapables de se réaliser dans une société dans laquelle nous vivons. C'est un complexe d'infériorité, effectivement, Marie-Hortense. Une femme qui ne sait même pas ce que c'est qu'une société à responsabilité limitée, qui va s'asseoir, commencer à dénigrer une entreprise française qui a pignon sur rue. Dire comment la société a fermé, ça a déposé le bilan. Comme quoi je tourne les crèmes dans la cuisine. Que les crèmes sont... je suis revendeuse. Et tout ça en prononçant le nom de mon entreprise, en prononçant le nom de ma marque. Sans penser que si c'est une personne qui l'a envoyé faire ça, est-ce qu'elle a pensé que pourquoi est-ce que la personne elle-même ne pouvait pas faire ça, ne pouvait pas dire tout ce qu'elle-même elle a dit? Parce que cette personne-là est intelligente et qu'elle ne voulait pas justement écoper ce qu'elle, elle va écoper. Après, les gens vont venir pleurer. Ils vont venir pleurer. Commencer à dire que, oh, on a fait ceci, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça à l'autre? Il ne fallait pas qu'elle fasse ça, elle n'aurait dû faire à l'autre, etc. Sans parler de moi, elle a parlé de moi en disant plein de faussetés sur ma personne. Et sur ma vie à moi. Que des faussetés. Elle parle de ma fille. Ceux qui étaient là le jour de la vente privée ont vu ma fille. Vous avez vu ma fille, non? Qui était là-bas? Qui était à la vente privée à Paris? Qui était à la vente privée à Paris, mes chéris, dites-moi. Les personnes qui étaient à la vente privée ont vu ma fille. Ma fille, c'est elle qui était à la caisse. C'est elle qui était caissière. C'est ma fille. C'est votre enfant. Quand vous voyez la fille, ma fille que vous avez vue, jolie comme un cœur, une métisse aux yeux bleus, bac plus 6. Elle a deux licences avec un master en philosophie, option sciences politiques. Votre fille, votre soeur, votre petite soeur que vous avez vue. C'est d'elle qu'on a dit sur les réseaux sociaux que ma fille est jonquille. Vous avez vu la fille qui est jonquille, non? Ceux qui étaient là l'ont vue. Elle ressemble à un enfant jonquille. Elle ressemble à un enfant jonquille. Un enfant qui travaille dans un grand groupe. Donc l'avocate de camarade, je lui ai flanqué
une citation directe qu'elle a même déjà reçue. Qu'elle continue avec son gougou. Il est où? Il est déjà au placard. Il faut que le gougou sorte et qu'il continue à travailler. Quand je pense comment il est difficile de se réaliser dans ce pays, les nous autres là, on sait qu'on est des pionniers dans ce pays. Moi, je suis en France depuis de très nombreuses années. Si ma fille a 25 ans, vous devez imaginer combien d'années je suis ici. Et nous voulons donner l'exemple, cette diaspora positive que nous rêvons tous voir sur les réseaux sociaux. Et quelqu'un s'assoit devant des milliers de personnes, commencer à dénigrer mon entreprise, saboter ma marque, me calomnier, parler de ma personne alors que cette personne, je ne la connais pas, je ne lui ai jamais parlé, je ne l'ai jamais croisée. Est-ce qu'on peut parler d'une personne qu'on ne connaît pas? Venez raconter comme quoi on m'aurait enlevé les enfants avec les services sociaux. Non, mais attendez. Déjà, ma fille est grande et mon fils, il a 15 ans. Il est en alternance, en garde alternée. Il va chez son père, il vient chez sa mère. Les gens qui ne connaissent pas la vie des gens, mais qui rentrent dans la vie des gens, commencent à saboter exprès. Cette fille est venue parler de moi sur les réseaux sociaux alors qu'elle ne m'a jamais, elle ne m'a jamais vue. Je ne la connais pas. Je ne sais même pas où elle habite. Rien du tout. Elle est venue parler de moi. Juste parce qu'elle a des problèmes avec votre diamant bleu. Mais diamant bleu, c'est moi. Elle vient parler de ma vie sur les réseaux sociaux en mentant, en dénigrant ma société et en sabotant ma marque. Dites-lui que je vais faire avec elle comme j'ai fait avec Ben ou bien. Moi. Dites-lui que j'ai dit. Qu'elle est une fille Bassa, non? Que camarade n'a pas pu l'amener au tribunal. Elle a, camarade n'a pas pu. Lui, moi là, je vais la trimballer au tribunal. Je dis que, hein, on va aller au tribunal. Elle ne va même pas comprendre comment. Elle a déjà reçu sa citation directe. Et normalement, notre procès est au mois d'avril, ici dans ma ville à Nantes. Elle va payer le transport pour venir ici à Nantes pour répondre à ces allégations, ces fausses allégations contre mon entreprise, contre ma société, contre moi-même. Elle va dire à la justice qui lui a parlé de moi, qui lui a donné les informations, les fausses allégations sur ma personne, qui l'a envoyé parler de moi devant plus de 1800 personnes, où elle disait des choses fausses sur une personne qu'elle n'a jamais vue, qu'elle n'a jamais fréquentée. Des choses fausses sur une entreprise, des choses fausses sur une marque. En prononçant le nom de ma marque dans ce live. Donc, je suis restée tranquille. Quand elle faisait ses lives de sabotage, nous avons enregistré tous ces lives. J'ai tout transmis à mes avocats. Oui, parce que moi, j'ai un service juridique. Mon entreprise a un service juridique. Tu t'attaques à mon entreprise, à ma marque, je te fais ça dur. Tu vas aller répondre là-bas devant la justice. Et comme elle s'est attaquée à moi, en disant des choses fausses sur ma vie, en s'attaquant à mon entreprise, en s'attaquant à ma marque, elle va répondre sur les trois volets. Moi,
mon entreprise et ma marque, les trois. L'entreprise Glita Cosmetics, c'est une marque protégée. Protégée à l'international. Ce n'est même pas seulement une protection en France. Mon entreprise est protégée partout. Les produits que vous avez vus à la vente privée à l'hôtel Napoléon Champs-Élysées, ça ressemble aux produits qu'on tourne derrière la cuisine. Est-ce que quand vous voyez les compléments alimentaires des cosmétiques de la marque Glutaline, est-ce que ça ressemble aux choses qu'on tourne derrière une cuisine? J'ai déjà expliqué l'importance pour moi de vous proposer des produits qui ont une traçabilité. Parce que dans notre communauté, on a l'habitude de nous proposer de la médiocrité. J'ai mis l'accent sur la traçabilité et l'authenticité de nos produits, que ce soit des compléments alimentaires ou des cosmétiques. Vous pouvez aller sur deux portails européens. Nos cosmétiques sont tous répertoriés sur le portail européen qu'on appelle le portail CNPN. C'est une obligation légale. Quand tu fabriques des vrais cosmétiques, tu dois les déclarer sur le portail européen. Et tous nos produits sont listés là-bas. Et c'est pareil pour nos compléments alimentaires. Ils sont tous listés sur le portail européen qu'on appelle le portail CNPN. C'est pour votre sécurité. Parce que quand on met la sécurité, la traçabilité, ça garantit la durabilité d'une entreprise. Donc, chez Bluta Cosmétique, nous ne faisons pas à peu près. Chez moi, l'entreprise Bluta Cosmétique, on ne fait pas à peu près. On fait des choses où on ne doit pas nous reprocher quoi que ce soit. Est-ce que des compléments alimentaires, si c'était de l'à peu près, ça serait dans une pharmacie, par exemple en Europe, en France? Est-ce qu'un pharmacien peut mettre sa notoriété en danger en vendant un complément alimentaire qui n'est pas autorisé? Donc, quand une personne s'assoit, pas un live, pas deux lives, pas trois, pas quatre. Saboter mon entreprise. Dire que mon entreprise a fermé. Mon entreprise a déposé le bilan. Aller jusqu'à essayer de dire mon adresse, le siège social de mon entreprise. Parler de mon adresse, dire comment je vis dans une cave. Dire comment je suis Tisa. Tisa, ça veut dire même quoi? Ça veut dire maîtresse. Comment mon homme, il est marié avec quatre enfants. Regardez-moi des choses comme ça. Il faut que ça serve de leçon. Il faut aller lui dire que j'ai dit que moi là. Pas ce qu'on dit. En fait, moi, hein, ce n'est pas le parler. Ce n'est pas juste parler, bavarder pour rien. Je vais la poursuivre en justice sur les trois volets. Moi, le sabotage qu'elle a fait sur moi. Le sabotage de mes produits. De mon entreprise, les trois volets. Elle a déjà reçu sa citation directe. Si elle n'a pas encore reçu ça, elle va recevoir ça la semaine qui vient. Et elle va venir au mois d'avril à Nantes pour dire comment, où elle me connaît, qui lui a parlé de moi. Elle connaît mon entreprise, elle sait ce que c'est que déposer un bilan comptable annuel au greffe du tribunal.
Voilà comment on peut récupérer le problème de quelqu'un et ça devient grave sur nous. Mon problème avec ce vieux con-là, elle n'était pas là. Est-ce qu'elle était là? Elle n'était pas là. Quand ce type a voulu me tirer une balle dans le pied, j'ai dit que je suis traumatisée. À chaque fois que j'ai envie de parler de camarades, je vais venir m'asseoir, je parle de lui. C'est ma thérapie. Je fais ma thérapie parce qu'il m'a traumatisée. Je ne fais pas partie des gens qui ont une mentalité de bas étage comme camarade où il est capable de passer outre quelque chose qui l'a choqué. Moi, il m'a traumatisée. Donc, à chaque fois que j'ai besoin de parler de lui, je vais parler de lui parce que moi, c'est ma thérapie. D'autres personnes seraient en train de prendre des antidépresseurs. Moi, je ne prends pas les antidépresseurs. Mais à chaque fois que j'ai besoin de venir parler de camarade, je vais parler de lui. Parce que c'est une façon de me libérer. Maintenant, alors, elle a pris le dossier de camarade. Elle a pris ça comme King Kong. Je suis King Kong. Raconter des choses fausses, aussi bien sur mon entreprise que sur ma marque, que sur moi-même. Tu vas aller dire ça là-bas au tribunal où tu me connais. Si toi et moi, on a déjà mangé des patates. Si toi et moi, on s'est déjà croisés un seul jour. Jusqu'à essayer de prendre une photo d'un film nigérian. Essayer de coller ça avec une personne en disant que c'est moi. Et Camerounais, comment vous pouvez être aussi méchant? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous êtes aussi méchant? Pourquoi vous pouvez vous attaquer à quelqu'un qui ne vous a jamais vu, qui ne vous a jamais parlé, avec qui vous n'avez jamais eu d'altercation, rien du tout? Cette femme-là, elle s'est assise à parler de moi comme si elle m'avait déjà vue. Elle prononce mon nom, elle prononce mon nom d'épouse, elle prononce mon ex-mari dans ses conneries, mon fils, ma fille, mon travail, ma marque, ma société. Mais madame, on est en Europe ici. On n'est pas en Afrique où on peut faire n'importe quoi et on laisse passer. Il faut faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. S'il y a des gens. Je ne comprends même pas comment quelqu'un peut se mettre toute seule dans des problèmes. C'est-à-dire que tu prends la caméra, tu poses la caméra, tu commences à parler d'une femme, tu commences à parler d'une société, d'une marque que tu ne connais pas. Quelqu'un avec qui que tu n'as jamais vu de tes yeux, que tu n'as jamais croisé, avec qui tu n'as jamais eu de problème, rien. Tu mets ta caméra, tu commences à parler d'elle. Moi, je peux rien dire sur elle parce que je la connais pas. Je la connais pas. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille dire sur une personne que je ne connais pas? Je suis pas dans le game, moi, des réseaux sociaux. Je suis pas là-dedans, moi. J'ai pas le temps pour ça. Mon temps, c'est pour mes followers, c'est pour mon travail, c'est pour l'évolution de mon entreprise, pour le développement de mon entreprise. Et l'équilibre de ma vie et l'équilibre de mes enfants. Je ne peux pas parler d'une personne que je ne connais pas. On lui donne des fausses informations. Tu vas aller dire au juge qui t'a parlé de moi. Tu vas aller dire au juge où tu me connais.
Tu as, ou, qui t'a dit parler de moi? Des fausses informations que tu venais dire, qui t'a parlé de moi? Tu me connais où? On s'est déjà vu où? Je te connais pas. Moi, je peux pas parler de toi parce que je ne te connais pas. Je ne peux pas laisser. Non, 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 non. Vous savez, beaucoup de nos sœurs ont créé des entreprises sur les réseaux sociaux. Elles ont laissé leur entreprise, leur filet entre les mains à cause des gens comme ça. Des gens qui n'ont jamais. Est-ce que, dites-moi un peu, est-ce que cette personne a déjà créé une entreprise? Est-ce ce que c'est que créer une entreprise? Moi, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un depuis que je suis en Europe. J'ai toujours été à mon compte. Que ça soit un auto-entrepreneur, que ça soit une entreprise individuelle, que ça soit directeur d'une entreprise comme ce que je suis actuellement, d'une SARL. J'ai toujours été à mon propre compte. Mais une personne qui ne sait même pas ce que c'est, où aller pour créer une entreprise, va s'asseoir, parler d'une entreprise qui a des salariés. Vous avez vu Corentin l'autre jour, qui transportait les cartons quand c'est arrivé par DHL. Je suis en France ici. Est-ce que tu peux prendre un Européen? Des Européens, tu les prends comme ils travaillent pour toi, tu ne les payes pas? Et qu'ils ne soient pas déclarés, qu'ils ne cotisent pas pour leur retraite? Quel est l'Européen qui peut accepter qu'on l'emploie 35 heures par semaine? Sans contrat de travail, sans déclaration, sans payer ses charges à l'URSSAF pour cotiser sa retraite. Vous ne comprenez pas. Quand quelqu'un vous envoie devant, comme la chair à canon, on vient parler d'une femme qu'on ne connaît pas, me traiter de tisa. Non, mais attends, vraiment. Eh, Seigneur. Moi, je trouve que c'est une souffrance. Je trouve que c'est une souffrance. Parce que venir s'asseoir, moi, je peux parler de camarade parce que je le connais. Et parce que lui et Marie la régie, ils m'ont fait des choses. C'est pour cela. Et même eux, avant de parler d'eux, je les ai évités pendant des mois et des mois, vous avez vu. Je ne voulais pas qu'on en arrive là. Mes premiers lives, c'était des lives où justement je parlais en parabole, j'esquivais. Pour pas qu'on arrive à ce que vous avez au spectacle que vous avez vu. Et l'autre, elle va s'allier à camarade à cause de sa haine avec votre diamant bleu. Mais madame, il faut faire la différence. Si tu as quelque chose contre diamant bleu, tu vois ça avec diamant bleu. Pourquoi est-ce que tu me mets dans un problème avec diamant bleu alors que toi, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Je ne sais pas qui tu es, qui tu fréquentes, où tu habites. Maintenant, je sais où tu habites puisque j'ai ton adresse. Fallait bien que je donne ça pour te remettre la citation directe. Je connais même l'étage, ton étage. Savoir faire la part des choses. Si tu as un problème avec quelqu'un, résous ton problème avec la personne. Ne passe pas à travers d'autres personnes. Regarde tout ce que tu as fait là, ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Je suis toujours la directrice de l'entreprise Bouta Cosmétique. Mon entreprise, regarde, on a fait une vente privée. On a fait plus de 28 000 francs de chiffre d'affaires. 28 000 francs de chiffre d'affaires, vous pouvez vous applaudir les filles et garçons à la vente privée à Paris. Donc, ton sabotage, là, ça a changé quoi?
Nous sommes toujours, on a toujours des personnes qui demandent à rentrer dans notre réseau de distribution, qui veulent continuer à distribuer nos produits. 28 000 euros, exactement. 28 000 euros de chiffre d'affaires le jour de la vente privée. 28 000 euros de chiffre d'affaires. Tu as un problème avec ta soeur là-bas. En plus, c'était ta soeur. Il paraît que c'était ta soeur. Que vous connaissiez très bien, que vous dormiez, vous faisiez vos trucs ensemble et tout. Va résoudre ton problème avec ta soeur. Pourquoi tu t'attaques à moi? Tu ne me connais pas. Est-ce que tu me connais? Maintenant, alors que tu vas aller au tribunal, j'espère que camarade va, il va s'occuper de toi. Hein, il va t'aider à payer les avocats parce que tu vois, non. Voilà. J'espère qu'il va t'aider. Il va t'aider. Parce que moi, je t'attaque sur trois volets. Moi, personnellement, mon entreprise et ma marque, les trois. Tu les as saqués. Prononcez le nom de chacun. Mon nom. Le nom de mon entreprise et le nom de ma marque, les trois volets. Je vous ai expliqué ici le côté machiavélique de camarade. Quelqu'un qui t'a amené au tribunal, tu penses qu'il sera ton ami un jour? Jamais de la vie. Je connais camarade. Je sais qu'il a la dent dure. C'est quelqu'un qui a la dent dure. Tu penses tu ne seras jamais son ami. Jamais de la vie. Tu peux publier, tu peux faire sa publicité comme tu veux. Tu resteras son ennemi à vie parce que je sais ce qu'il m'a dit à propos de toi. Tu peux faire ce que tu veux, faire ça. Et tu ne seras jamais leur ami. Jamais de la vie. Tu comprends? Si tu étais leur ami, est-ce qu'il t'aurait envoyé devant comme un char à canon? Une char à canon? Non. Il aurait fait les choses lui-même. S'il t'a envoyé devant, c'est parce qu'il savait. Il savait que quand tu vas prononcer mon nom, le nom de mon entreprise, le nom de ma marque, je vais tomber sur toi comme un bulldozer. Et que je ne peux pas laisser. Parce que mon travail, c'est le fruit de ma... C'est mon entreprise. J'ai bâti ça. Seul. Je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a aidé. Je n'ai eu personne qui m'a aidée. J'ai créé mon entreprise seule. Je développe mon entreprise seule. Et je fais partie de la catégorie des femmes qui aiment se réaliser seules. Je vous rappelle que toutes les vidéos que camarade, sur lesquelles camarade m'avait fait là, où il avait mis des gens, il a mis son téléphone, les gens m'appelaient pour me dénigrer là-bas, il a tout effacé. Camarade a effacé toutes les vidéos sur lesquelles on me dénigrait là-bas sur sa page. C'est qu'il est malin, il n'est pas fou. Bien sûr, Tissandra, c'est que comme camarade n'a pas réussi à la chicoter, il l'a envoyé devant parce qu'il connaissait. Il savait que comme les gens ne réfléchissent pas, on leur dit va dire comme ça, va dire comme ça, dis comme ça, dis comme ça. Bêtement, elle arrive et commence à raconter n'importe quoi en citant mon nom, le nom de mon entreprise et tout ça. Comment tu vas t'en sortir?
Une entreprise, c'est une personne morale. Tu ne dis pas n'importe quoi d'une entreprise, tu risques d'avoir de graves problèmes. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, c'est les gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui s'amusent, il faut vraiment faire attention, je vous le dis sincèrement. En tout cas, quand ça concerne une entreprise, il faut faire gaffe. Je vous jure. Quand ça concerne une entreprise, on fait très attention. Cette personne est allée chercher, récupérer les informations de mon entreprise. Les parler de ça devant plus de 1800 personnes en donnant des informations fausses. Je dis que mon histoire avec camarade là, il a pris son téléphone, il a laissé les gens parler de moi. D'accord? Camarade, pas une seule fois, il n'a pas cité, il a écrit mon nom deux fois sur ses pages. Mais il n'a pas fait ce que celle-là a fait. Il n'a pas fait ce que celle-là a fait. Et c'est lui! Je suis sûre que tout ce que celle-là a fait, c'était entre eux là-bas. Mais moi, je m'en fous. C'est celle qui est venue dire avec sa bouche. C'est celle-là avec qui je vais aller là-bas devant. Voilà. C'est tout. Parce que ça doit servir de leçon. Quand une personne crée son entreprise, Patricia, Patricia, tu sais que je t'aime beaucoup, non? Mais ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas gentil de me dire ça. Patricia, on a traité de ma fille de jonquille. Patricia, on a traité ma fille de jonquille. On a dit que je suis tise à moi, cette femme, du haut de mes 50 ans. Que je suis une tise à, avec l'homme que j'ai dans ma vie. Un ingénieur qui prend le jet privé pour aller travailler. On me dit que moi, je suis tisa de quelqu'un, d'un homme qui est marié avec 4 enfants. Une femme comme celle-là, qui vient s'asseoir, parler de moi, alors qu'elle ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève, en inventant les choses, en dénigrant mon entreprise et en dénigrant ma marque, je ne peux pas la laisser. Tout simplement parce que il faut que les gens respectent les autres. Quand tu n'as pas un problème avec quelqu'un, je ne vois pas pourquoi tu vas venir t'asseoir devant 1800 personnes, 3 fois, 4 fois de suite, dénigrer la personne jusqu'à l'os. Quand j'ai eu mon problème avec camarade ici, est-ce que vous m'avez entendu parler de ses enfants? J'ai évité les enfants. Parce que les enfants là, je les ai portés, ils m'appellent Tata Amélie. Je les ai évités. Parce que les enfants n'ont rien à voir. Et l'autre, elle vient s'asseoir parler de mes enfants. Alors qu'elle et moi, on ne s'est jamais croisés de la vie. Je ne sais même pas d'où elle est. Elle parle de moi. Vous ne pouvez pas savoir en réalité. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour leur game. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour le game. Quand je suis venue parler de camarades ici, c'est parce que j'en avais ras la casquette. C'est que je l'ai invité à fond. Il a continué à me provoquer, à me lancer des pics à longueur de temps, même quand j'étais au Cameroun pour ma conférence.
C'est ce camarade qui m'a obligé à lui répondre. Je l'ai évité. Et comme il pensait qu'il était King Kong et que il pensait peut-être que je ne pouvais pas supporter le clash avec lui. Mais moi, je ne suis même pas venue clasher avec lui. Je suis venue lui dire la vérité. Et il pensait pas que c'est comme ça que ça allait faire. Et l'autre sort là-bas, de nulle part, je ne sais pas, elle a ses problèmes avec Diamant Bleu. Elle vient s'asseoir pour parler de moi, parler de mon entreprise, parler de ma marque. Mais dis donc, Fanny, tu dis pardon, passe à autre chose. Tu es moi. Vous aimez, vous pensez, passe à autre chose. Tu as une entreprise. On a déjà saboté ton entreprise. Est-ce qu'on a déjà saboté ton entreprise? Si je n'étais pas une professionnelle que je suis, que quand les gens viennent m'écouter, quand je parle de mes produits, j'ai des arguments pour. On ne serait plus là aujourd'hui. Si j'avais laissé camarade faire, c'est que mon entreprise est en souffrance aujourd'hui. C'est parce que je n'ai pas laissé faire. Je ne suis pas d'accord de cette façon de faire. On ne peut pas saboter les gens qu'on ne connaît pas. Je veux dire, on ne peut pas saboter les gens qu'on ne connaît pas. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne connais pas ce que c'est qu'une entreprise, tu ne connais rien du tout. Tu viens t'asseoir, tu commences à dénigrer une entreprise, tu dénigres la personne, tu sabotes les produits, tu sabotes la marque, etc. Voilà, moi je ne peux pas laisser ça. Il s'agit de mon entreprise. Et quand il s'agit de mon entreprise, c'est-à-dire que même s'il faut que je déterre les morts, on va déterrer les morts seulement. On va aller devant le juge. Ça va servir de leçon. Oui, parce que si beaucoup de gens ont l'habitude de parler des entreprises des gens sur les réseaux sociaux, en sachant que une fausse information peut vraiment entacher une entreprise. Donc quelqu'un qui vient parler des choses qui sont fausses concernant une entreprise, c'est normal que la justice fasse son travail. Et moi là-dessus, je ne rigole pas. Voilà. Je ne rigole pas. J'ai travaillé trop dur pour que quelqu'un vienne comme ça s'asseoir, une personne qui ne me connaît pas, commence à parler de moi. Attends, je vais te bloquer. Je vais te bloquer. Comme ça, tu vas faire ta mère loin là-bas. Pourquoi j'arrive pas à bloquer cette personne? Voilà, je te bloque. Tu vas faire ton truc là-bas. Il faut prendre l'habitude d'encourager ce qui est bon. Je ne peux pas laisser. De toute façon, je peux. Il dit que la citation directe est déjà partie. Elle l'a même déjà reçue. Certainement. Si elle ne l'a pas encore reçue, elle va le recevoir en début de semaine. Oui. Je ne discute pas. On ne peut pas, c'est pas possible. Le travail est tellement difficile. On est dans un pays où ce n'est pas facile de se réaliser. Quelqu'un qui se réalise, on veut venir mettre à mal son travail en racontant n'importe quoi et tout. Moi, je ne dis, je ne, vraiment, hein, je ne, avec, quand ça concerne mon travail, ça dit que je ne laisserai aucune personne se mettre à travers de mon travail. Aucune personne. Je travaille trop dur pour ça. Je travaille beaucoup trop dur. Et normalement, une personne qui a une entreprise ici sur les réseaux sociaux,
C'est-à-dire que chaque personne doit protéger son gagne-pain. Parler de ma mère. Eh Seigneur Jésus. Cette femme a parlé de ma mère. Je ne sais pas si tu as une mère. Cette femme a parlé de ma mère. Cette femme a parlé de mes enfants, de ma soeur, de ma mère, ma maman à moi, qui m'a mise au monde. Parler de ma mère. Ma mère actuellement, elle est au Cameroun. Je l'ai envoyée faire des travaux dans notre maison, dans notre immeuble de Douala. Parce qu'on a un immeuble à Douala. À Yaoundé, on en a deux. Dans mon... Là où je suis née, on a deux maisons. Et au village, on en a quatre. Donc, quand tu viens parler de ma mère, celle qui m'a mise au monde, je ne peux pas te laisser. Tu comprends? Je ne peux pas te laisser. On va aller en justice. Oui. On va aller en justice. Tu as dit plein de choses sur ma mère, sur mes enfants, sur mon ex-mari, en disant que j'ai voulu le tuer. Tu vas aller dire au juge là-bas comment j'ai voulu tuer mon ex-mari. Tu vas aller lui raconter si tu étais là le jour où je voulais le tuer. Tu vas aller dire au juge si tu étais, si toi et moi on se connaît, ou tu étais dans la complicité pour aller tuer mon ex-mari. Tu vas aller dire ça au juge là-bas. Quand vous dites des choses sur les réseaux sociaux, vous pensez que c'est la blague. Si vous avez l'habitude de dire des choses à certaines personnes, moi je ne fais pas partie des personnes-là. D'accord? Je ne te connais pas. On ne s'est jamais vu. On n'est pas du même village. On ne s'est jamais croisé. Tu prends ta caméra. Quatre fois, cinq fois, tu parles de ma société, tu parles de ma marque, tu parles de moi, de mes enfants, de mon ex-époux, de ma mère, de ma soeur. Tu vas aller dire au juge. Ils ne peuvent pas me déstabiliser. Ils ne peuvent pas me déstabiliser. Vous ne pouvez pas me déstabiliser. Déstabiliser qui moi? Vous n'êtes pas né. Ni toi, ni camarade, vous n'êtes pas né. Je veux dire, hein, la déstabilisation pouvait venir si je n'étais pas une professionnelle. Je vous ai dit que je suis une professionnelle et je peux arriver n'importe où. Avec mon professionnalisme, et ça, vous ne pouvez rien faire. Là où je vous ai dépassé, c'est ça. Quand mon problème avec Camarade R a commencé, ils m'ont envoyé la DGCCRF
la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes. Ils sont venus me voir. Nos produits sont authentiques, vérifiés, avec autorisation de mise sur le marché. Je ne me cache pas. C'est mon professionnalisme qui va vous tuer parce que vous n'avez pas ce que j'ai. Et vous n'aurez jamais. Donc, ce que vous avez essayé de faire, ça n'a pas marché. Mais comme ça n'a, d'une part, ça n'a pas marché, mais d'autre part, je vais vous poursuivre en justice. L'avocate de camarade, je commence par toi. Parce que tu as cité ma mère. Tu as parlé de ma mère. Tu as parlé de ma fille. Qu'elle était jonquille. Tu as parlé de mon fils. Tu as parlé de mon ex-mari. Comment je voulais tuer mon ex-mari. Tu vas aller dire au juge. Si toi et moi, nous étions ensemble quand je voulais tuer mon ex-mari. D'accord? Voilà. Donc, si tu as déjà eu ta citation directe, c'est bien. Si tu ne l'as pas encore, tu l'auras la semaine prochaine. Et rendez-vous au mois d'avril au tribunal pénal de Nantes. Hein? Au tribunal pénal de Nantes. Pour tout ce que ton sabotage que tu as fait contre moi pendant plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Voilà. Ok? C'est toi qui vas amener camarade. Comme tu as montré que tu étais forte, c'est toi qui vas aller citer camarade là-bas. Mm-hmm. Parce que c'est pas moi qui vais aller citer camarade, c'est toi. Tu as montré que tu étais forte, non? C'est toi que j'amène au tribunal, ce n'est pas camarade. C'est toi. Tu vas comprendre que camarade t'a utilisé pour faire le sale boulot. Et tu vas voir que moi, je ne suis pas camarade. Tu ressens toi, ma mère, Rachel. Moi, je ne suis pas camarade. Et camarade va bien applaudir. Il va bien applaudir de savoir que lui n'a pas réussi et que nous, on va aller là-bas. Et c'est un camarade, il me connaît. Il me connaît, il sait pourquoi il a fait ça. On va seulement aller. Donc, j'espère qu'il va venir quand tu seras à Nantes au mois d'avril. Il va t'accompagner et qu'il va t'aider à payer tes avocats. Voilà. Donc, quand vous faites des choses sur les réseaux sociaux, sachez à qui vous avez affaire. Je n'ai pas de problème avec cette fille. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Mon seul tort, c'est que j'ai Diamant Bleu, qui est mon ambassadrice humanitaire, avec qui elle a des problèmes, et dont elle m'a saqué. Elle a essayé de me saquer pour me déstabiliser, pour venger sa haine avec sa soeur Diamant Bleu. Je ne suis pas Diamant Bleu. Je travaille avec Diamant Bleu. Une personne réfléchie va résoudre son problème avec la personne avec qui elle a le problème. Et non pas passer par d'autres personnes pour saboter les gens avec qui elle n'a aucun problème, qu'elle n'a jamais vu, qu'elle n'a jamais croisé dans sa vie. Donc, camarade, il sera bien content. Tu comprends? Oui. Sache que camarade sera content. Là où il est là. Il faut lui dire, je ne veux pas porter plainte à camarade. C'est toi que j'amène au tribunal. Ce n'est pas camarade, c'est toi. Vous pensez que la vie est facile, que quelqu'un peut venir s'asseoir, commencer à saquer le travail de quelqu'un
Donc, le travail de toute une vie. Je ne vais pas te laisser. Tu as parlé de ma mère, mes enfants, mon ex-mari, que je suis mon amoureux et tout. Tu as cru que ça allait passer comme ça, non? Non, ça ne va pas passer. On va seulement aller là-bas devant. Et c'est toi qui vas ramener Camara dans l'histoire. Parce que si c'est Camara qui t'a envoyé, c'est toi-même qui vas ramener Camara dans l'histoire. Parce que moi, c'est toi que j'attaque. Et je vais t'attaquer jusqu'à... Oui. Parce que moi, là, quand je décide quelque chose, je t'ai laissé, je ne te connais pas, il ne fallait pas me prononcer. Donc, je ne veux pas entendre quelqu'un me dire que, oh, tu as déjà la visibilité, il faut que tu parles de ton commerce. Mon commerce ne souffre de rien. Vous savez que mon commerce souffre de quelque chose. Il ne souffre de rien. Elle m'a saboté. Ils m'ont saboté. Pendant le sabotage, j'ai rentré plus de 12 revendeurs. Pendant la vente privée, on a vendu comme c'est pas possible, comme ça n'a jamais été. Par contre, tu as parlé de moi, de ma mère et de ma mère. La femme qui m'a mise au monde. Ma mère, cette femme albinos, qui a souffert toute sa vie, que personne, ma mère dit souvent que si on avait demandé aux hommes, est-ce qu'il faut qu'on lui donne les enfants, les hommes allaient dire non. Mais Dieu a dit oui. Dieu lui a donné les enfants. Et que je fais partie de ses enfants. Toi, tu as venu parler de ma mère. Tu vas parler de ma mère. On t'a très mal conseillé. On t'a très mal conseillé. Je ne peux pas te laisser. On va aller devant. Donc, prépare-toi. D'accord? Moi, je ne suis pas King Kong. Je la connais pas. Je ne parle pas des gens que je ne connais pas. Vous avez vu, elle m'a saboté pendant 3, 4, 5, 6 lives. Je n'ai pas parlé d'elle. Je ne peux pas parler d'elle parce que je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Je ne vais pas inventer les choses sur elle. Je ne la connais pas. Je ne sais pas comment ça dire que tu es ceci, tu es cela. Je ne la connais pas. Je peux pas. Je peux pas la laisser. Elle est allée beaucoup trop loin. Vous savez ce que c'est que d'accuser une personne de vouloir tuer son mari? Vous savez ce que c'est? Cette femme a dit dans sa vidéo que j'ai voulu tuer mon mari. Elle l'a dit. Au moment... Hey, Seigneur Jésus. Quand les gens ont leurs problèmes sur les réseaux sociaux, il faut souvent passer comme un taxi plein. Il ne faut pas s'arrêter. Parce que ça risque de retomber sur vous. Et les gens qui croient qu'ils connaissent des choses, et comme sur les réseaux sociaux, les gens ont l'habitude d'insulter, de dénigrer, et tout, et tout, et tout, et personne ne fait rien. Moi, je ne suis pas de ce genre. Tu dénigres mon entreprise, je t'attaque au tribunal, c'est tout. Tu mal parles de ma marque, c'est pareil. Voilà, tu sabotes, c'est pareil. C'est mon gagne-pain, c'est ça qui me fait manger, ça qui me permet de payer mes échéances de maison, etc. Donc, je ne rigole pas avec ça. Je ne rigole pas avec ça. Voilà. Donc, je voulais vous dire que faites attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux, à ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Les gens nous regardent, les gens entendent. Et un sabotage peut vraiment amener quelqu'un très loin sur les réseaux sociaux. Hein. Je vous assure, les choses que vous voyez là,
Ça peut amener des gens très, très loin. Très loin. Zozo. Non, moi, les autres là, je ne. Celle qui a vraiment. Qui a, enfin, qui a parlé de ma mère. Saqué mon entreprise. Saqué ma marque. C'est cette dame-là. C'est elle. C'est elle. Moi, je tombe seulement sur elle. Le reste là, je ne gère pas. C'est seulement elle. Donc, allons seulement. C'est tout. Quand on ne connaît pas les gens, il faut les éviter. Voilà. Moi, quand je ne connais pas les gens, je n'en parle pas. Mais moi, si on parle de ma mère, on parle de. Non. On va se rendre au rendez-vous au mois d'avril à Nantes, au tribunal pénal de Nantes. Voilà. Merci beaucoup. Voilà mes louloutes. J'avais pas prévu faire un live ce soir, hein, mais le volume est parti. Si le volume est parti, c'est que ça a été signalé. Le volume est parti ou pas, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez? C'est bon. Vous m'entendez ou pas? C'est bon, ok. Bon, mes chéris, je vais devoir vous laisser, hein, parce qu'il est tard. Il est tard. J'ai juste fait ce live, c'était pas prévu. J'ai fait ça comme ça rapidement. Et donc, voilà. Donc, rendez-vous au tribunal au mois d'avril. Voilà. Pour dire que. Faut faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un t'a rien fait, tu n'as jamais eu affaire à une personne, tu l'évites. Et tu ne dis pas des choses que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. Ça peut amener très loin. Donc, je dois protéger ma vie et la vie de mes enfants. Sur ce, je vous embrasse. À demain, certainement. Demain, je vais faire un soin de visage. Demain, je ferai un soin de visage. D'accord? Vos commentaires, là, c'est grave, hein? Bisous, la famille. Bonne soirée, hein? Je vous laisse, mes chéris. Bisous, tout le monde. Prenez soin de votre diamant bleu. Elle en a besoin. Bisous.